Allez, on va aller visiter cette aventure. Ça fait longtemps que j'attendais ce jeu, je suis curieux. Salut Elfrou, salut Fatal Elite. J'espère que vous allez bien. Il fut un temps où les ressources semblaient illimitées. Mais l'année 2030 marqua le début de la grande crise énergétique. Après avoir épuisé la quasi-totalité des ressources de notre monde, les puissances mondiales créèrent la World Space Agency afin de chercher des solutions ailleurs au-delà de la Terre. Elles en trouvèrent une sous la forme de l'hélium-3, un isotope puissant découvert en abondance sur la Lune. Grâce à lui, l'humanité pourrait satisfaire ses besoins énergétiques pendant des décennies. Ainsi, en 2032, l'humanité colonisa la Lune. Sous la direction du Conseil lunaire, la WSA établit plusieurs colonies permanentes afin de récolter et de transformer l'hélium-3. L'énergie ainsi créée fut transférée vers la Terre via un réseau énergétique révolutionnaire, la transmission d'énergie à micro-ondes. Ou MPT. Quoi? Au début, tout semblait bien se passer. Mais vint alors cette terrible nuit de 2054. Cette nuit où les lumières s'éteignirent. Une pénurie d'énergie. La MPT était déconnectée. Et la communication avec les colons lunaires fut perdue. Sans ressources terrestres pour lancer une opération de sauvetage à grande échelle sur la Lune, la World Space Agency fut dissoute en 2055. Mais un petit groupe d'anciens colons de la WSA refusa d'accepter le sombre avenir qui attendait l'humanité. Déterminés à découvrir ce qui était arrivé à la colonie et à restaurer la MPT, ils préparèrent leur mission sur un site de lancement abandonné dans le désert. Aujourd'hui, en 2059, ils sont enfin prêts à envoyer un astronaute sur la Lune. Nul ne sait ce qu'il attendra là-haut. Mais ses ordres sont clairs. Sur la Lune. Livrez-nous la Lune. Livrez-nous la Lune. Deliver us the moon. N'oubliez pas, si vous n'avez pas le Xbox Game Pass, vous pouvez toujours vous inscrire à partir du cellulaire ou du site internet et aller sélectionner Aider un influenceur. Caribou canadien. Ah, c'est pas ça. Bon, le jeu en français, déjà là, c'est vraiment très intéressant. Pensez-vous vraiment commencer une nouvelle partie? Ben? Non! Je veux jamais jouer! Toute progression astroutille, y compris, sera réinitialisée. Ben oui, mon intellectuel. Oh, attention. Partout dans le monde, les familles et amis des colons lunaires disparus se rassemblent ce soir pour se souvenir de la coupure générale de 2054 ayant entraîné une coupure d'énergie mondiale et la perte de contact avec la Lune. La coupure générale a provoqué un bouleversement mondial et a conduit un an plus tard à la fermeture de la World Space Agency. Dans le reste de l'actualité, l'apparition de la plus grande tempête de poussière à ce jour a forcé les climatologues à revoir leurs prévisions sur la vitesse de la croissance du désert équatorial. À cause de cette nouvelle tempête, le désert pourrait bientôt couvrir 30% de la masse terrestre. Plusieurs gouvernements ont promis d'aider les réfugiés malgré leurs faibles ressources. La tempête de poussière devrait toucher les zones résidentielles situées entre le 49e et le 50e parallèle nord d'ici la fin de l'après-midi.
et frappé l'ancienne station terrestre MPT de la World Space Agency située dans le désert d'Akiro. Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones touchées. Les températures dans les pays au nord du désert équatorial devraient atteindre les 46 degrés Celsius. C'était Nicole Page pour World News One le 16 septembre 2059. Passez une bonne journée en sécurité. Ouch. Bon. Verseau, courageux astronaute, s'aventure sur la Lune. Sa mission consiste à explorer l'étendue lunaire et à découvrir ses mystères. La route est longue et les épreuves nombreuses, mais il sait qu'il doit persévérer pour sauver l'humanité. Un courageux astronaute s'aventure sur la Lune. Sa mission consiste, j'ai déjà lu ça. Oh, on peut pas se rendre là, ok. Bon. Séquenceur de lancement au sol, parallèle d'accès orbital, unité d'alimentation auxiliaire, conduit de la ventilation d'oxygène gazeux, système d'atténuation du bruit, combustion, allumage, extinction, séparation, allumage. Vous l'avez déjà fait un bon millier de fois lors de nos simulations, nous avons confiance en vous. Bonne chance! Bye. Donne envie. Nous sommes prêts à lancer la mission. Est-ce que vous me recevez? Effectivement. Contrôle sol à Fortuna One, ici Claire. Veuillez confirmer le contact radio. Veuillez confirmer, c'est là. Bienvenue. Contact radio confirmé. Rendez-vous sur la plateforme de lancement et amorcez la fusée pour le décollage. Nous devons la lancer avant la tempête de sable. Est-ce que le volume est trop fort, le son du jeu, comparativement à ma voix? Entrez sur le site de lancement de Fensenkov, équipez la combinaison d'astronautes. Oh, sexy. Comment j'ai trouvé mon nom, Caribou Canadien? Lorsque je jouais à FIFA, je jouais avec des Belges pis ça, pis ils m'appelaient Caribou. Et là, pis là, je me suis dit, hey, ça serait un bon nom, ça. Caribou Canadien, quand j'ai commencé à streamer sur Twitch. MPT connecté. La MPT envoie de l'énergie à la Lune vers la Terre. La transmission énergie de micro-ondes, MPT, génère de l'énergie à l'intérieur d'un réacteur de fusion et envoie cette énergie, son câble, vers les récepteurs situés sur Terre. Et ce, grâce à l'hélium-3 récolté sur la Lune. La mise en place de la MPT a pris des années, mais le signal énergétique a voyagé à grande vitesse de la colonie lunaire jusqu'à la Terre. La World Space Agency estime que la MPT peut transmettre assez d'énergie issue d'un réacteur à fusion de la colonie pour approvisionner environ 20% de la population de Terre. Sur Terre, ce pourcentage devrait augmenter rapidement, d'après le Dr. Isaac Johnson, le scientifique chef de l'agence. Le MPT pourrait alimenter toute la Terre dans une décennie. La Terre ne connaîtra plus jamais l'obscurité. Verseau, est-ce que ça fonctionne maintenant? C'est vrai. On l'appelle l'OVNI. On sort d'ici, moi. Ah, une porte, là. Il me semble que j'ai vu une autre porte ici, aussi, non? Peut-être pas. Non, c'est là, la porte. Bon, OK. Cinq ans après la coupure générale. Voilà. C'est moi qui va partir. La voilà, la Taurus 5. Il nous aura fallu 4 ans pour la préparer au lancement. Mais vous devez vous dépêcher.
tempête de poussière frappera cette zone dans quelques heures. Si nous ne réussissons pas maintenant, la mission Fortuna sera terminée pour de bon. Fortuna, tu marches comme un soldat. Errant de Bertrand, le nom de sang Jésus-Main. Le parabole du réseau MP. Créé par Isaac Johnson, la MP transmettait de l'énergie de la Lune à la Terre par le biais d'un réseau de paraboles satellites. Depuis la disparition d'Isaac lors de la coupure générale de 2054, Claire Johnson a étudié le travail de son père en détail pour se préparer à la mission Fortuna. Tu marches comme un soldat. Calme-toi. Je me suis sprinté? Qu'est-ce que ça disait, sprinté? Ah oui, sprinté. C'est-tu moi qui viens d'ouvrir ça? Non. Imaginez un monde sans énergie fossile ni pollution! Tous nos besoins en énergie satisfaits. En un clin d'œil, le système pouvant transmettre de l'énergie sans câble à traverser le monde et au-delà. C'est la MPT, ou transmission énergie. À micro-ondes, sans ce livre, l'inventeur de la MPT, Isaac Johnson, explique quel pourrait être l'avenir de ce système de révolution. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est une fille, Isaac et Elisabeth, sont fiers d'annoncer l'arrivée de la petite sœur de Claire. Cathy Christina Johnson. Oh, ma ben. Bon. Ces enfants descendent mal. Maudits enfants. Elisabeth s'est occupée de la famille Johnson après que son mari Isaac a assumé ses fonctions au conseil lunaire après la mort de leur mère. Claire s'est occupée de sa sœur Cathy avant qu'elle ne soit amenée sur la Lune pour vivre avec Isaac. Depuis la coupure générale, plus personne n'a vu Isaac ou Cathy. Oh, quelle tristesse! Ah, oh, j'ai une lampe de poche, je viens de la découvrir. Bonjour Cathy. Tu as disparu. Toutes les affaires de Cathy, Claire, Johnny Farago. Bon. Oh, une toilette! C'est le fun. C'est nice, quand tu marches, t'as cette vue-là, quand tu rentres dans une maison, tu tombes en première personne. I love it, I love it. Je suis un love it. Semble qu'on peut pas rentrer là. Bon, on a déjà tout exploré ça, je pense. Là. Oh, on peut monter là. Espèce d'aveugle. Ah ben oui, c'est... On appelle ça le début de la game. C'est là que t'arrives.
Oh, un escalier. Bah oui, c'est l'escalier du début, mon champion. Bon, semblerait que t'as pas mal exploré qu'est-ce qu'il y avait à explorer, là. Oh, ça, je peux voir ça. Un monument marque l'entrée du cosmodrome Forsenkov. L'installation était à l'abandon jusqu'à ce que l'équipe Fortuna y installe sa base après la coupure générale et commence à préparer la dernière mission de l'humanité dans l'espace. Le panneau indique vers les étoiles ou vers le coco fragile. J'aime la contrôlabilité du jeu, il est bon, il est bonne. What? Ça commence bien. Pas grimper ça à pied, ça commence bien. Imagine-toi, l'ascenseur va même pas fonctionner. Je l'ai pété. Bien, je vois que vous êtes en chemin. Le centre de contrôle se trouve au dernier étage. Vous pourrez y amorcer la fusée pour le décollage. D'accord, madame. D'énergie à micro-ondes en provenance de la colonie lunaire. Au début, personne ne pensait qu'il serait possible de transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Mais la WSA a fait taire les sceptiques. Et vous ferez de même, en reconnectant la MPT. Reconnectant la MPT. Sauvegarde. N'éteignez pas votre console. Je suis pris dans une même boîte. L'onde de poche. Que j'avais trouvé précédemment. Ça n'a rien pesé là-dessus, j'ai pas le code. Oh! Y'a quelqu'un qui peut écrire dans le chat, s'il te plaît, 3548? C'est n'est plus courant d'utiliser le code 3548 pour la porte. Est-ce que quelqu'un peut écrire 3548? Déjà? Merci beaucoup. Pour pouvoir... fouiller le reste comme il faut. Merci. Bon. Je vois plus rien. Ah. Je sais pas que ça donne. J'ai fait ça. Ah, aucune idée. Ce bâtiment faisait autrefois partie de la WSA. Et nous y vivons maintenant depuis plusieurs années. J'arrive toujours pas à croire que nous allons bientôt partir pour de bon. La désertification de toute cette région ne prendra pas bien longtemps après le passage de la tempête. Et
Viens, je prie. Dossier de colon manquant. Isaac Johnson, doctorat, Université de Cambridge, génie mécanique et architecture, poste membre du Conseil lunaire. Carrie Johnson, Claire Johnson, Elizabeth Johnson, décédée, portée disparue. Je pense que la dernière était décédée, ou peut-être, en tout cas. Dernière position connue, station lunaire Copernicus. Accro au travail, passionné de la création et maintenance de la MPT, tendance obsessive qui a causé les différends. Dans les relations personnelles, de plus en plus reclus après la mort de sa femme, Elizabeth Johnson. Elizabeth Johnson est morte, ok. C'est là que j'arrive. Et s'il n'y a rien. Bon, voyons, je suis pris. Déterminé à découvrir la vérité sur la coupure générale de 2054 et à rétablir la connexion MPT, Maria Gonzalez a monté l'équipe Fortuna à partir d'anciens de la FWA. Ils travaillent en secret sur leur mission depuis 2055 dans la WWE. Bizarre. Eugen. À ceux qui ont péri lors de la panne de Eugen le 10 juin 2048, n'oubliez jamais ceux que nous avons perdus ce jour-là. D'accord, chef. Antidépresseur. Nous sommes rencontrés il y a quelques années dans la station spatiale de Person. J'ai été licencié après la panne du crise sommeil de Higuen. Vous souvenez de l'unité ASE endommagée dont nous parlions? Je cherche un moyen d'extraire des données holographiques et je me demandais si vous pouviez m'aider. Bonjour, ça c'est Maria Gonzalez. Bonjour Maria. Oui, je m'en souviens, les données holographiques passent par un composant matériel unique que je suis spécialisé dans les logiciels. Vous ferez mieux de contacter mon collègue Ruff Robertson sur Pearson. C'est un excellent mécanicien, Sarah Baker. Mise à jour. Sauvegarde plutôt, excusez.
Bon. On arrive de là, il semble qu'il y a quelque chose près d'ici. Ah, il y a une porte là. Ça, c'est dans les chemins. On va le tasser. Mais ça, ça peut-tu bien monter à quelque part? Lâche-moi. Regardez s'il n'y a pas quelque chose dans la hauteur, des fois. Non. Elle est ta lampe de poche, ce qu'on fait. Il est beau, en tout cas, je... Je suis pris. Ils ont tout mangé, les cochons. Merci à tous. Fortuna 1 est prêt. Veuillez quitter la station du cosmodrome Fessenkopf entre le 15 et le 16 septembre. Toutes les personnes se trouvent à l'intérieur ou aux alentours de la station doivent se tenir prêts à 5 heures à l'extérieur du bâtiment au point de rendez-vous. Maria Gonzalez. Maria, quand elle danse jusqu'au bout. Bon, on n'a pas le choix. Nous avons isolé trois causes possibles de la coupure générale de la MPT. La première, c'est le transmetteur de la station spatiale Pearson. Claire, vous voilà. Venez, on fait ça à côté. Tout le monde vous cherche. Je dois revoir ça une dernière fois, Maria. On a déjà tout passé en revue, plusieurs fois. On fera pas mieux. Venez, c'est l'heure de faire la fête. Ce sera pas long, j'arrive tout de suite. Une vraie Johansson. Quand il avait quelque chose en tête, j'étais incapable de l'en dissuader. Vous êtes aussi têtu que votre père. Oh, probablement la seule chose que nous avions en commun. J'arrive simplement pas à comprendre pourquoi il a pas rétabli la connexion MPT. C'est quand même lui qui l'a inventé. Et maintenant, il n'y a plus que nous. Personne d'autre n'essaie de faire quelque chose. Si nous échouons... Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Si c'est faisable, alors on va le faire. C'est la seule chose qui doit compter pour nous. Relisez vos notes et rejoignez-nous quand vous serez prête. Bref. Les causes de la coupure générale. La deuxième pourrait être une des tours du réseau. Claire finalise les détails alors qu'elle relit ses notes de préparation de mission une dernière fois. Enregistrées le 14 septembre 2059. Environ 505 ans après la coupure générale. Contrôle se trouve au dernier étage du site. La tempête de sable approche à grands pas. Dépêchons.
Recrutée à la sortie de l'université, Claire Johnson a conçu la fusée Taurus 5 pour la mission Fortuna. Elle avait hâte de se joindre à l'équipe pour découvrir ce qui était arrivé sur la Lune à son père et à sa sœur après la coupure générale de 2054. Madame Miss Johnson, le tribunal a statué que le père Isaac Johnson, en tant que parent le plus proche, a obtenu la garde exclusive de Cathy Christina Johnson après la mort de la mère. À Elizabeth Johnson, en tant que tutrice actuelle, vous devez vous assurer que Cathy soit amenée en sécurité sur la Lune pour être avec son père. Bien à vous, l'honorable juge Richard Edge. Pensez Claire, elle, c'est la fille du gars, du père qui est sur la Lune. Je vais former les deux affaires là-bas, je pense. Qu'est-ce que je posais faire, là? La cochonnerie de là vient de péter. Je
Ah, il n'y a qu'une de formée, évidemment. Là. Oh! Fortuna. Bon. Le jeu est vraiment beau. Il reste une minute. C'est pas moi qui va faire ça pour vrai, là. Hey! Quoi, j'ai cassé ça. Retrait de la passerelle d'accès orbital en cours. Faites un peu plus attention. Putain.
Je pense que je suis mort. Système de navigation de la fusée connecté. Nous y sommes presque. Allez, comme à l'entraînement, vous pouvez y arriver. Ah, ok, j'ai pas réussi. La procédure de décollage. Ouais, mais c'est que je l'ai pas, cette putain d'affaire-là. À moins que c'est juste, je sais pas trop. J'ai vu ça tantôt, mais j'ai pas pris de photo. Il y a comme 17 ans. Système de navigation de la fusée connecté. Nous y sommes presque. Allez, comme à l'entraînement, vous pouvez y arriver. Initialisation de la procédure de décollage. Séquenceur de lancement au sol initialisé. Retrait de la passerelle d'accès orbital en cours. Parfait, exactement comme à l'entraînement. Ah. Ah, c'est marqué là. A1, A3, B3, B4. La lune. Ah, je peux bouger la terre. On l'a! On est en route, Fortuna! Vous devrez. Je vous en supplie. Livrez-nous la vie.
Terminer la seconde étape de la séquence de lancement. Terminer la première étape. Arrêt du moteur. Oh, séparation? Eh ouais! Bye bye! Restons. Délivrez-nous la lune! Délivrez-nous la lune. Que s'est-il passé sur la Lune? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé que l'énergie a arrêté d'être envoyée vers la Terre et a placé la Terre sur un cataclysme incroyable? Que s'est-il passé là-bas? Pat de Butcher est là. GNT7. Ouais. C'est la fusée Caribou Canadien, en fait. Objectif. Entrer dans la station spatiale Person. S'amarrer à la station. Oh non, ça, je suis pas capable. Je suis pas capable de m'amarrer. Ça, ça pue. Non, mais... B? J'enligne quoi dans quoi, là? Ok, je comprends. Okay. Oh tabarnak, je me sens comme dans... Ça va péter le feu. Lance-toi! Amarrage! Yes! Je me suis lancé comme dans Apollo 13 quand ce qu'il manquait tout le temps. Satané Kevin Bacon. Salut Jim... Jim Canna. Cinq ans après la coupure. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc, nous saurons plus la prochaine épisode. Délivrez-nous la lune, s'il vous plaît. Délivrez-nous la lune.